Bonjour, bienvenue à Partager la danse. On va apprendre la partie 1, la section 1 de la chorégraphie de Routine 2017. On commence avec des mouvements robotiques et on va écouter le premier temps de la musique. Donc, on écoute 1. Ensuite, on commence avec des mouvements robotiques à vous. Donc, c'est votre mouvement à vous en autant que ce soit très solide et qu'on peut voir un arrêt entre. Donc, on va 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Donc, on fait au total 15 pauses. Donc, on va apprendre nos positions classiques indiennes qui vont revenir durant la chorégraphie plusieurs fois. On en a trois très importantes qu'on va voir plusieurs fois. La première s'appelle Pataka. C'est les doigts tous ensemble collés et on va les avoir souvent sur le côté de notre corps. On va avoir les doigts ensemble et on va avoir un petit peu une courbe vers le haut. Au lieu d'avoir les mains très droites, on va avoir une petite courbe. Et ça, j'aimerais ça l'appeler notre drapeau. Donc, on va souvent le voir sur le côté et j'aimerais ça que ce soit juste en avant de vous et qu'on ait les coudes juste un petit peu pliés. Donc, ça, c'est notre première, le drapeau, et ça s'appelle vraiment Pataka. Notre deuxième qu'on va voir très souvent, c'est une fleur de lotus. Donc, la paume de la main va faire face au plafond. Et on va avoir notre petit doigt vers le poignet et notre pouce vers l'extérieur. Donc, on essaie de vraiment, c'est comme une fleur qui ouvre, de les avoir les plus écartés possible. Et pour cela, nos coudes vont être très droits et vont essayer d'atteindre les coins en face de nous. Donc, ça, c'est une position très ouverte et ça, c'est notre position plus fermée. Pataka, on va l'appeler notre drapeau. Et Alapanma, on va l'appeler notre fleur de lotus. La troisième main, qui va revenir assez souvent, on va l'appeler le petit bisou. Nos doigts, ils vont être collés. On va avoir l'index et le majeur qui vont coller au pouce et vont essayer de se regarder, comme faire un petit bisou. Et on va avoir nos deux autres doigts qui sont vers le haut et nos coudes bien supportés. Donc, on recommence. La première, Pataka, notre drapeau. Deuxième, on a notre main à la palma, notre fleur de lotus. Et la troisième, qui va revenir assez souvent, notre bisou. Super! Maintenant, on va commencer avec la vraie chorégraphie. Donc, on vient de finir nos mouvements robotiques. On écoute pour le 1 et on bouge pour 15 comptes. Ensuite, on va frapper un mur vers la gauche. Donc, notre corps va se faire une spirale vers la gauche et on va avoir nos deux bras qui sont... On va voir les coudes très angulaires. Donc, on va frapper un mur sur le côté. Ça, c'est notre main de drapeau. Donc, nos doigts sont ensemble. Et ensuite, on va défaire notre spirale. On va aller vers la droite et on va ouvrir avec notre main de fleur de lotus. Donc, les comptes, c'est 1, 2, 3, on ouvre, 4. Super! Maintenant, on va aller vers le coin. Et on va avoir notre fleur de lotus bien ouverte à la palma. Et on va avoir notre coude très droit. Et on va essayer d'atteindre le coin. Et on va regarder pendant que nos pieds font un pivot. Donc, on va aller vers le bas, sur le 1, sur la droite, et ensuite vers le haut. 1, et 2, et 3, et 4. Donc, on en a 4, mais on vient de finir ici, 3, 4. Donc, ça va être 5, et 6, et 7, et 8. Super. En ajoutant le moulin, on va avoir notre bras gauche qui va aller vers l'avant. Et à toutes les comptes, on va aller en bas sur le 5, 6, 7, 8. Super. On garde notre concentration sur le coin droit et on va vers la droite. 5, et 6, et 7, et 8. Super. Donc, ça, c'était notre moulin. Ensuite, on va venir, on va amener nos deux poignets sur nos hanches. On va les reposer sur nos hanches, mais on va avoir notre fleur de lotus à la palma. Et on vient de finir dans le coin, 8, et on va se tourner vers la droite pour avoir un profil du public. On va avoir notre fleur de lotus ici. On va garder nos mains là, on va faire des pas, des petits pas. On va vers la droite, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et on prend un dernier pas vers la droite ensuite. En faisant nos petites marches, donc on en a 12, on commence sur le 1, on fait 1, 8 comptes, et ensuite on ajoute 4. Donc ça fait un total de 12, et on va avoir une petite vague dans notre corps. Donc on essaie... C'est comme si on était fatigué et on essayait de tout notre corps d'essayer de continuer vers l'autre côté. Donc, on va avoir notre corps qui va faire une petite vague comme ça, tout en gardant notre fleur de lotus.
Donc, on va finir notre moulin. On vient faire 5 et 6 et 7 et 8. Droite, gauche. Droite, gauche. 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4. Un dernier vers la droite. Et ensuite, on va essayer d'amener nos bras vers l'avant. On a encore notre fleur de lotus. On va avoir un qui est en bas. Le deuxième est un petit peu plus haut. Troisième est un petit peu plus haut. Quatrième, c'est le plus haut. On peut avoir notre focus un petit peu plus vers le haut, comme ça. On a encore notre fleur de lotus, mais cette fois-ci, on n'a pas notre coude totalement droit. On l'a un petit peu en un angle un petit peu plus que 90 degrés. Super, donc on va commencer du moulin. On revient à notre place initiale. On vient de finir, on frappe le mur. 3, 4, moulin, 5, 6, 7 et 8. Vers la droite, gauche, droite et gauche. Et 5, 6, 7, 8, 4 de plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en faisant nos mouvements, on ajoute le corps vers l'avant avec nos bras. 5, 6, 7, 8, graduellement vers le haut. Très bien. Ensuite, on va faire un S avec nos bras. On va avoir le bras droit vers le haut et le bras gauche vers le bas. Et on va avoir notre corps qui va aller vers la droite et on va regarder vers le haut. Donc, on essaie ça, on fait notre S et on revient vers le centre. On fait notre S et on revient neutre. Super. Tout en faisant cette partie-là, on va avoir nos jambes qui vont faire un demi-plié. Et on va revenir vers le neutre, on va prendre notre jambe droite, on va l'amener vers la gauche en parallèle. Et on va recommencer, on va glisser la jambe gauche et glisser la jambe droite. Donc, on commence d'ici, on est en haut sur 8, on glisse la jambe gauche, 1, 2, ensemble, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, on va faire ça du robot tout le monde ensemble. Donc, on écoute 1. On fait notre robot 2, 3, 4, votre propre mouvement, et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 vers la gauche. 1, ouvre, 3, 4, 5 et 6 et c'est notre moulin, nos marches droite, gauche et droite et gauche. 5, 6, on a encore une fleur de lotus, 4 de plus, 2, 3, 4, 5, 6, vers le haut graduellement, le S. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, on va essayer ça avec la musique, s'il vous plaît. Votre premier mouvement à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On frappe le mur. 1, ouvre, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Droite et gauche et droite, 4 de plus. 6, 7, 8, note S. On retourne. Note S. 7, 8. Donc, on va commencer, on vient de finir notre S. 5, 6, 7, 8. On prend notre jambe droite, on l'amène vers notre droite. Et on va faire un petit peu un pied pointé. Donc, c'est comme si on changeait d'idée, mais non, on va le laisser là. Donc, on va 1 et 2. Et nos bras vont aller dans notre drapeau. Donc, on est ici, on vient finir 5, 6, 7, 8, jambes droites. Et les bras vont croiser pour s'ouvrir dans notre drapeau. On fait notre petit pied. Ensuite, on amène nos bras vers le coin droit. On va avoir notre fleur de lotus. Et on va avoir deux pulsations graduellement vers le haut, un peu comme on avait fait au début. Donc, on commence les pieds ensemble. On vient finir 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4. On fait notre pulsation 5, 6. Et ensuite, on va avoir nos bras qui vont aller vers l'arrière et qui vont revenir vers l'avant. Donc, ils font un cercle, les deux ensemble. Et ça, c'est des mains relaxes. Notre pied va venir un petit peu, il va aller un petit peu en l'air et va revenir vers le bas. Si on n'est pas capable de faire ça, on le laisse sur le sol, c'est bien correct comme ça. On va juste un petit peu plus haut. Donc, on va commencer de nos pieds parallèles. Et on vient 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire notre pivot qu'on avait déjà fait avec notre jambe droite. 1, 2, 3, 4.
et on va ajouter deux moulins. À la place d'avoir juste le bras gauche, on va avoir les deux bras ensemble qui vont vers le bas dans le compte. Donc, ça va avoir l'air de ça. Un, deux, trois, quatre. Et on va avoir notre focus sur le coin droit. Et on va finir avec nos bras qu'on avait au début. Donc, quand on a frappé le mur et qu'on a ouvert avec notre feuille de lotus, cette fois-ci, on va commencer avec nos mains en drapeau. On va avoir nos mains comme du karaté. Yeah! Et on va ouvrir seulement la main qui est vers l'extérieur. Et on va changer. On va faire l'autre main. Donc, on va aller vers la droite. On va faire notre karaté. On va regarder vers le coin gauche. On va ouvrir notre main. Et on va changer. On va ouvrir la main droite. Nos pieds viennent de finir nos pivots. Un, deux, trois, quatre. Notre pied gauche va ouvrir. Et notre jambe droite va rester sur un plié. Et on va arriver à notre pose. Six. Donc ça, c'est cinq. Six. On change. On plie la jambe gauche. On garde la jambe droite étirée. Et on ouvre. Huit. Donc, on va recommencer ça du début. On vient finir notre S. Cinq. Six. Sept. Huit. On croise nos mains. On vient dans notre position de plié. On fait un petit pied pointé. On va vers le coin. Cinq. Six. On regarde vers le coin. Maintenant, on regarde vers le plafond. Et on peut avoir notre jambe un petit peu en l'air ou sur le plancher. 7, 8. Ensuite, on vient faire notre moulin sur la jambe droite. 1, et 2, et 3, et 4. On fait notre karaté. 5, 6, 7, 8. Et cette main-là vient vers l'intérieur et vers... Donc, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Notre fleur de lotus. Donc, on va recommencer ça. Des pieds parallèles. On vient faire un S, 5, 6, 7, 8. Croise haut. 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Maintenant, on va faire ça du tout début lorsqu'on commençait avec nos robots. Et on écoute pour le compte 1 et on va aller sur toute cette section-là ensemble. Donc, on commence, on prend une forme initiale, une forme à vous, et on écoute le 1, on fait le robot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, on frappe le mur, 1, ouvre, 2, 3, ouvre, 4, pivot, 6, et 7, et 8, on va vers la droite, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8. 4 de plus pour faire 12. 3, 4, 6, 7. Graduellement vers le haut. S, 2, 3, 4, 5, et 6, 7, et 8. Et 1, 2, pieds pointés. 4, 5, et 6, vers le haut. On regarde le plafond. 1, 2, 3, et 4, 5, et 6. Karaté, et 8. Maintenant, on va l'essayer toute la première section avec la musique. On commence avec notre pause initiale, votre pause à vous, et on écoute sur le compte 1. On fait notre robot. Cinq, six, sept, on frappe le mur sur le 1. On ouvre, moulin. Sur la droite. 4 de plus, 1, 5, 6, 7, 8, 1. On fait notre S. Karaté. Et c'est tout!